Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est déjà fait une entrée pour notre 11e épisode du Let's Play de Phoenix Wright Ace Attorney. Au dernier épisode, Monsieur White a fait un guet-apens envers nous, puisque nous sommes maintenant accusés du meurtre de Mia Fey, alors que justement, Monsieur White sera le témoin de ce procès. On commence tout de suite. 9 septembre, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Bon, je crois qu'on y est. Web. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Ah! Phoenix, regarde! L'avocat, Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que quoi qu'il en dise, que dise Monsieur White aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. Vous pourrez toujours tenter d'attaquer son témoignage. Mais si jamais une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi? White a aussi le juge dans sa poche? Donc ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable. Point final. Je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur White. Absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Comment pouvez-vous savoir? Comment pouvez-nous en être sûr? Les coupables ne diront jamais la vérité, de peur d'être démasqués. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Telle est ma devise. Hunter, vous avez changé. Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Phoenix? Bon, la séance doit tarder à commencer. Quoi? Mais attends! Ton avocat est même pas arrivé! Il n'est pas... Je vais assurer ma propre défense. Quoi? Ok, c'est parti. 9 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Schmack! Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Phoenix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de bien vouloir faire ça? Oui, votre honneur, j'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien, monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de cet événement, aujourd'hui nous allons détendre un autre témoin du crime perpétré par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son témoin. Tout ça se passe trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait jamais été témoigné avant. C'est comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un doit être une objection, c'est bien moi. Objection, bien sûr. Monsieur Hunter, vous devez une explication à cette cour. Pourquoi cette personne n'a pas témoigné lors du procès de Mlle Mia Fey? Je suis vraiment navré. Monsieur White était un homme très pris et puis... À l'époque, je ne pensais pas que la seule opinion de Mademoiselle Vril était utile. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à la cour. Parfait, Monsieur Hunter, j'apprécie votre comportement. Super, lui aussi fait le beau avec moi, je fais du surplace. Je souhaiterais appeler Monsieur Red White à la barre. Ah, Monsieur Red White. Ah, il a bien une tête de coupable. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation? Votre nom. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oh mon dieu, mes locutions me troublent. Votre nom. Ces deux-là font vraiment la paire. Mon nom est Red White et mes amis peuvent m'appeler Blanconino. Je suis le PDG, ou pour parler plus également, le président de la société Gloopcorp. Le président de la société Blue Corp. Connaissez-vous la victime, mademoiselle Mia Fey? Négatif, monsieur! Non, je ne la connaissais pas! Vous étiez à l'hôtel Gatewaller le soir du meurtre. Exact! Vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre? Pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Très bien, monsieur White. Vous pouvez commencer votre témoignage. Si je ne me permets pas à démonter le témoignage de ce type, je suis fichu. J'ai toujours l'impression que c'est la fin du monde et que je suis le seul survivant.
Oh oh oh! J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat! Laisse-le dire, mais Phoenix! Déposition de témoin, récit de témoin. Voyons voir, c'était environ 21h, je crois. Je compulsais tranquillement. Oui, je compulsais tranquillement. Pardon, je lisais le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chahut au terrible dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des piques, agressant une femme aux cheveux longs cheveux. Il voulait vous dire que c'était embêté notre truc que vous, monsieur l'avocat. J'ai tout de suite appelé Mlle Vril. Elle était aussi totalement médisée, bien entendu. La victime, elle a voulu s'enfuir. Et après, vous avez couru après. Après, il y a eu un terrible plaquetage. Puis c'était terminé. Un terrible plaquetage. Si tout ça s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Très bien accusé, je veux dire à Monsieur White. Votre contrat interrogatoire. Oui, votre honneur. Contrat interrogatoire du récit du témoin. Voyons voir, c'était environ à 21h, je crois. Je compulsais tranquillement, pardon, je lisais le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chahut terrible au dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. On va attaquer ici parce que ça me paraît bizarre qu'il ait tourné vers l'immeuble d'en face alors qu'il n'y a pas de grand chose. Un instant! Donc, jusqu'à ce que vous entendiez ce bruit, vous lisez le journal. Eh bien sûr, je ne suis pas un fouineur qui met par sa fenêtre la nuit tombée. Pas un fouineur? Bah voyons, votre carrière entière ne repose que sur ça. Et là, j'ai vu un homme coiffé avec des piques, agressant une femme aux longs cheveux. Des piques? Mais dites-vous dire que ça m'était trop que vous, monsieur l'avocat. Ce que vous voulez dire est en direct contradiction avec les témoignages de Mademoiselle Vril. Mademoiselle Vril a clairement affirmé que l'agresseur était une fille. J'ai toujours été très bien de ma vue, là, monsieur l'avocat. Oui, et quelle est-elle? Ah, et quelle est-elle? En comptant les deux yeux, 20! 20? Non, on ne dit pas les notes de chaque œil. On se dit déjà chaque œil, en gros. Je pense que le témoin essaie de nous dire qu'il a une très bonne vue. Et il n'est pas du côté de qui ça juge? Du côté de qui ça juge? Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai tout de suite appelé Mademoiselle Vril. Elle était totalement médisée, bien entendu. Que faisait Mademoiselle Vril à ce moment-là? Elle venait de regarder une série télé et pleurer à chaudes larmes. Saviez-vous qu'elle avait mis un téléphone du cabinet Fay sur écoute? Ceci est hors de propos. Ça n'a rien à voir avec cette affaire au cours. Je m'en fiche. Je vais répondre à la question de cet avocat affronté. Mademoiselle Vril a agi son propre chef lorsqu'elle a demandé de mettre le poste de Mademoiselle Fay en écoute. Vous faites un triomphe politique, monsieur White. Oh oh, après tout, je suis présidente. Veuillez poursuivre. La victime, elle a voulu s'enfuir. Mais vous allez courir après. Pouvez-vous être un peu plus précis à ce sujet? Je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est vraiment passé. Bien sûr, capitaine, tu comprends. La victime a été agressée par vous-même, puis elle s'est enfuie vers la gauche. Vous l'avez poursuivie et assommée. En êtes-vous certain? Je vous l'ai dit, je suis toujours absolument positivement parfait. Vous pourriez modifier votre déposition pour qu'elle reflète à nouveau cet œil. Et voilà, la victime s'est enfuie vers la gauche et vous l'avez poursuivie. Après, il y a eu un terrible impactage, puis c'était terminé. Sauf que là, on peut se dire, il y a quand même quelque chose qui ne vient pas, puisque si on check le témoignage de Mademoiselle Vril, la victime a attaqué une attaque et s'est enfuie vers la droite. La droite, pas la gauche. Donc, il se trompe. Donc, on va lui présenter ça. Objection! Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signer votre arrêt de mort. Pardon? Vous dites que la victime s'est enfuie vers la gauche. Or, le témoignage de Mademoiselle Vril affirme exactement le contraire. Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh oh oh, c'est très simple. Vous avez mal entendu ce qu'elle a dit? Je ne pense pas. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici. Et la victime ici. Si, comme vous le dites.
La victime serait en fuite vers la gauche. Elle serait précipitée du côté opposé de la porte. Pour vous entendre dans un mur. Vous ne trouvez pas ça étrange? Très étrange. Je l'ai bien, vu son mur vers la gauche, j'en suis sûr. Phoenix. Phoenix regarde son visage. J'ai l'impression qu'il ne ment pas cette fois. Pas l'impression qu'il ment cette fois. C'est vrai. Peut-être qu'il a vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors il aurait assisté au meurtre. Une petite minute. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Mademoiselle Brill dit droite. Monsieur Wright. Monsieur White dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour? Monsieur White a raison. Mademoiselle Brill a raison. Ou les deux ont raison. Alors, je vous explique. Si elle était. Monsieur White se trouve au niveau du, de la scène de crime, il a pu voir, et c'est possible, que justement la personne s'est enfuie vers la gauche alors qu'elle s'est enfuie vers la droite. Pour Mademoiselle Brill. Donc, on dit que tous les deux ont raison. Que les deux témoins disent la vérité. Pour une fois. Ah, alors ça j'en doute. Enfin, ça n'empêche pas la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leur version divergente. Quoi? De toute évidence, ce témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Monsieur Wright, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire parce qu'il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel? S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Dans le cabinet d'avocat Fenko, bien entendu. Il se tenait même très exactement ici. Montré à la cour où se trouvait Monsieur White. D'après vous, qu'est-ce qui est logique? Si on le suspecte d'être celui qui l'a tué, c'est obligatoirement l'assassin. Donc, c'est pas la victime, puisque la victime s'est rien fait. Elle peut pas se trouver autre part, parce que ça me paraît trop bizarre. Et ce serait logique qu'il soit là. Donc, voilà, on va le présenter ici. Il se trouvait là. Regardez. Lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la pièce depuis ce point, il lui aurait semblé qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, l'heure n'est pas au préventif au mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. Silence! Je vous demande silence! Tout perturbateur sera exclu! Monsieur Wright, que voulez-vous insinuer? Pour rien! Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, ça paraît un peu tiré par les cheveux. Oh oh oh! Vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Quoi? Il rigole? L'hilarité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair, c'est pourquoi, monsieur votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois? Très bien, entendons à nouveau votre témoignage. Bon courage, mon pote. Corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible. Déposition du témoin. À la cour et à la gauche. Le témoignage de mademoiselle Brill est correct. Et le mien aussi. Lorsque vous avez jeté la... vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru à la gauche. Vous l'avez fait frapper sauvagement. On sait ce que j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Vous l'avez poursuivi et lui a asséné le coup de grâce. C'est ce que Madame Will a vu. Vous comprenez? Vous l'avez frappé deux fois. Vous vous en souvenez pas, monsieur l'avocat? Cela paraît cohérent. À un seul coup violent. Décès dû à un seul coup violent. Attention. Homme, cela paraît cohérent. Souhaitez-vous interroger le témoin? Tu parles si je veux. Je veux dire oui, votre honneur. Tu parles si je veux. Oui, bien sûr, je veux le tuer. Je veux dire oui, votre honneur. Contre-interrogatoire, la courue vers la gauche. Le témoignage de mademoiselle Vril est correct, et le mien aussi. Lorsque vous vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Vous l'avez alors frappé sauvagement, c'est ce que j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite.
Vous l'avez poursuivi et lui a laissé un coup de grâce. Là, on peut présenter le rapport d'autopsie, puisque c'est écrit décès dû à un, pas à deux, à un coup violent. À un, pas à deux, à un. On est bien d'accord, un seul coup. Objection! Monsieur White, la victime n'a pas n'a reçu qu'un seul coup. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Arg. C'est maintenant qu'il faut frapper là où ça fait mal, et on va le voir dans le prochain épisode, puisqu'on est bientôt à la fin. On va bientôt être à la fin de ce procès, mais on est à la 15 minutes, donc on se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play. C'était TGF, stay tuned!